Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 125 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un petit jeu très sympathique qui s'appelle Thomas Was Alone que j'ai entendu parler, on va dire, récemment à la télé grâce à Game One. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder Game One qui est une très bonne chaîne même si il y a souvent des rediffusions. Il parle pas mal des jeux vidéo. Alors, c'est parti. Donc, il disait que c'était bien. Alors, moi, je me suis dit, tiens, je vais y jouer. Et c'est en fait, bah ouais, c'est bien. Alors c'est un petit jeu de réflexion. Réflexion casse-tête. Donc là, il y a le mec qui va parler, mais bon, comme il parle en anglais, on va pas l'écouter. Pareil, ce qui est marqué, bon, si vous voulez comprendre, comprenez-le. Voilà, on contrôle un petit cube. Regardez, un petit cube. Hop, on peut sauter. Magnifique. Et faut rejoindre la sortie qui est ici, le petit trou. Voilà. Ça commence comme ça. Là, c'est facile. Ensuite, hop, ça va se compliquer, évidemment. Hein, ça peut pas être facile comme ça tout le long. Voilà, ça serait trop simple. Donc voilà, pour l'instant, voilà, petit labyrinthe, tac tac tac, enfin c'est pas un labyrinthe, on suit le chemin, on descend. Ce qu'il faut qu'on fasse, oula, je suis gouré de touche. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut on aille le mettre dans son petit trou à lui, parce que plus tard il n'y en aura d'autres. Donc là, allez, hop, on passe, et hop, le niveau se termine en passant dessus. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt simple, comme tout à l'heure. Donc là, hop, on avance. Cette fois-ci, il faut sauter pour avancer, sinon on va pas y arriver. Hop, on saute. Hop, hop, et hop, et hop, on rejoint la sortie. Youp. Voilà. Alors, niveau 0.4, donc vous voyez, il progresse les niveaux. Là, c'est du facile. Comme je dis, hop, on saute. Ils nous apprennent un peu, c'est une sorte de tutoriel, ils nous apprennent un peu tous les trucs qu'on peut faire. Donc là, ça a l'air d'être tout droit. Hop. Hop. Ah oui, d'accord, il y a les cubes qui tombent, faut pas revenir en arrière, quoi. Hop là, hop là. Hop là, hop là, hop là. Et hop là, voilà. Allez, c'est bon, on a fini. On continue. Alors, la sortie, elle est là-haut. Allez, faut qu'on monte. Donc on monte, on monte. Hop, hop. Et hop, hop, hop. C'est tout simple, c'est tout facile, c'est à l'aise, tranquille. Voilà. Là, ça monte encore toujours. Tac, tac, tac. C'est toujours un peu de l'escalade. C'est bizarre le déplacement du petit cube, mais bon. Oh, on peut chercher à comprendre. Hein. Ça me rappelle un peu de Super Meat Boy. Parce qu'on. Ça me fait penser au petit morceau de viande qui saute comme ça. Bon, il n'y a pas de sang et puis c'est pas un morceau de viande là. Mais c'est vrai que ça. On pourrait retrouver un peu de la ressemblance. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 0.8. Alors, ces petits trucs là qu'on vient de passer, c'est les petits sauvegardes. C'est-à-dire, si je meurs, si je tombe dans l'eau, ça revient ici et non pas tout au début du niveau. Parce que suivant le niveau, bah, ça peut être un peu chiant de recommencer tout. Hop, allez là, on va monter, hop, pas par là, on va passer par ici, évidemment, ça serait trop simple si on pouvait monter par l'autre, hein, voilà, on pouvait pas être plus bas, évidemment, donc ils nous font prendre le chemin le plus long possible pour monter, là ça pourrait être tout simple, et bah non, ça l'est pas, faut aller sur la gauche là-bas pour repasser ensuite sur la droite, hop, et hop, 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 et hop, et on est arrivé. Encore une fois, voilà, alors ça continue. Pour l'instant, c'est toujours assez simple, toujours tranquillou. Hop, et hop, hop. Alors on remarque qu'il y a un effet de soleil sur la porte, ou je sais pas où, il y a un effet de soleil. Regardez, j'ai une ombre et tout, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Je croyais que c'était la porte, mais non, en fait non. Il doit y avoir au milieu du niveau, il y a toujours une tête, peut-être une lumière. Bon, c'est peut-être un peu long là, je commence vraiment. Ah voilà, la sortie, hop là, on l'a gagné. Pour l'instant, c'est simple. Mais on va continuer et donc on va s'apercevoir que c'est moins simple. Voilà, là, il nous explique en gros qu'on a un deuxième petit ami. Vous pouvez lire le texte hein, si vous voulez. Mettez sur pause et vous essayez de lire. Moi, je vais pas m'emmerder à faire la traduction. Donc là, on a un deuxième petit bonhomme et on appuie sur Q. Pour changer, alors, moi j'appuie sur Q, pour changer de petit bonhomme. Alors l'un va aider l'autre souvent, on va voir après. Et donc chacun des deux doit arriver à son point à lui. Donc là le petit, là vous voyez, il ne peut pas rentrer dans la grande porte. Donc il faut l'emmener de l'autre côté, ici. Et là on ramène l'autre parce qu'il va falloir qu'on utilise l'un pour que l'autre puisse passer, je crois. Enfin je crois, je suis pas sûr.
Donc on sait jamais, on ramène les deux, on leur fait faire la moitié du chemin. Ça évite de faire tout le chemin sur l'un et de s'apercevoir qu'on a besoin de l'autre. Hop, oulala, je me suis fait taper par un... Par le décor. Oui. Voilà. Est-ce que je vais avoir besoin de l'un pour passer? Oui, voilà, c'est ce que j'avais dit. Hop. L'arrêt est laissé trop haut, il faut que je monte sur lui et ensuite que je monte sur lui. Et donc lui, je peux l'emmener en bas. Hop. 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 Il serait pas capable de remonter d'ailleurs. Allez. Voilà, il arrive à sa ligne. Et l'autre, on l'emmène de l'autre côté. On fait le chemin inverse. Tchou, on passe. Hop. Et hop, voilà, niveau terminé. On passe au suivant, encore un niveau. Donc là, il faut l'appuyer. Ça, c'est alors ce que vous voyez en bas en blanc, c'est un bouton. Donc on va y aller avec le petit, parce qu'on peut pas y aller avec le grand. On appuie sur le bouton, hop, ça crée un escalier. Et donc on va se servir maintenant du petit et du grand pour monter tout en haut. C'est-à-dire que là, on monte sur le grand, hop, on prend le grand, mais lui, il peut pas monter, il est trop petit. Et donc, il faut faire comme ça, hop, hop. Passer les deux, monter, hop, recontrôler l'autre. Alors ça peut être un peu chiant parce que c'est quoi, faut appuyer sur Q, faut reprendre les flèches, hein, on revient, hop, 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 on monte celui-là. Heureusement qu'il n'y a pas 30 millions de marches, quoi. Tout ça pour dire ça. C'est un petit peu chiant, voilà. Voilà. Alors là, comment on fait? On monte celui-là, on le monte en haut, et après on monte l'autre ici. Voilà, bah ouais, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre maintenant? On continue. 1.4. Le niveau qu'on continue à monter. Alors, faut aller appuyer avec le grand. Non. Alors là, par contre, faut se servir du petit. Le grand doit servir du petit. On met le petit ici. On la met le grand dessus et on monte. Et donc, ça déclenche l'escalier. Enfin, l'escalier. Non. L'animation qui nous libère un peu la place. Hop, on passe. On passe les deux. Lequel doit aller à droite? Ça doit être lui. Ouais, voilà. On va à droite, donc on monte, on fait bip, bip, tac. Et tac, on passe sur l'autre, et on retourne au même endroit, mais de l'autre côté. Allez, hop. Ah putain, merde. Ah, l'assaut, il a foiré, non. Allez, on va y arriver. Et hop là, allez hop. Oh merde, ah, je vais pas y arriver. C'est une histoire de saut, tout simplement. Il faut tenir appuyé. À y arriver. Allez. T'as intérêt à sauter. Et hop. Allez. Et hop. Voilà. Tout doucement, mais sûrement. Alors, les deux emplacements sont ici. Là. Ah, et apparemment, il y a un petit truc un peu plus raccourci. Donc, on va y aller. Hop. Est-ce que lui peut y aller aussi? Non. D'accord, donc on appuie sur le bouton. Pour faire déplacer, sinon le petit n'aurait pas pu passer. Hop, il continue à avancer. On rentre les deux, lui aussi. Hop, voilà. Hop, on prend le petit. Ah, il est pas assez grand. Allez. Hop, donc on prend lui, on l'emmène ici. On pose le petit dessus. Et grâce à ça, on peut atteindre l'autre côté. On prend le petit par contre là, ici. On passe avec lui. Parce qu'il passera pas en haut. Et plutôt que de se traîner tout le long, on va passer par là. Hop. Hop. Pour l'instant, c'est encore facile. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de... Même pas de réflexion. Là, c'est du réflexe tout court. Ah merde, bon. Il est reparti. Je vais attendre qu'il revienne. Voilà. Ah non, je suis tombé dans l'eau. Alors voilà, vous voyez l'utilité des petits machins de sauvegarde là, des petits machins de retour, ça me permet de revenir sans tout recommencer. Voilà. Voilà. Hop, on rejoint, on passe sur l'autre. L'autre nous emmène là, et voilà. Et on va descendre, et normalement on devrait pouvoir. Voilà, la sortie est là, le tel niveau est terminé. 1.6, on continue. Ah, il y a un nouvel arrivant. Ça y est, ça se complique de plus en plus, comme je disais. Donc là, il faut réfléchir comment faire pour faire monter tout le monde dessus. Alors lui, il monte là, mais le petit, il peut plus monter. Il faut ruser un petit peu. Je pense alors, du coup, qu'il faut mettre l'un ici. Qu'il faut monter peut-être le petit sur l'autre, là. Et laisser de la place pour mettre le grand. Voilà, hop,
Et après on reprend le petit, on monte sur le moyen, hop, et voilà, et on déplace, c'est magnifique. Voilà, sortie terminée. 1.7. Alors là, on a encore les trois. Alors il faut déplacer le grand, on est obligé. Là, on le met un petit peu là en retrait, donc on peut passer les deux autres par-dessus. C'est encore simple. Non, voilà. On prend celui-là, on le met là. On prend lui, on passe par-dessus. Hop. La merde, j'ai merdé. Voilà. Lui, on le met bien à cette position. Et lui, on le reprend et on l'emmène là-bas. Voilà. On continue, on en fait encore un ou deux. 1.8. Hop là. Alors là, on saute par-dessus. On va appuyer sur le bouton qui est là-bas. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauter aussi loin. Hop, le bouton. Ça fait tomber des petites plateformes qui vont nous permettre de passer nos deux amis là. Hop là. Hop là. On passe le petit avant. Les hommes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. N'importe quoi. On va dire que la femme, c'est le rouge. L'homme, c'est le marron. Alors, je dis ça, je dis rien. Voilà. Là, faut toujours utiliser la technique de l'aide pour remonter parce que sinon ça marche pas. Le petit est trop petit. Le moyen, trop moyen. Hop. Allez, voilà. Hop, et voilà, on passe les trois. Et on redescend en bas. Qu'est-ce qu'il va y avoir en bas? Et hop, j'aurais pu tomber dans l'eau, à savoir. Ouais, il nous aurait pas fait un petit coup comme ça aurait été trop. Trop vicieux pour le faire. Alors là, il va y avoir une astuce, je pense, avec ce petit passage que vous voyez là. On va aller voir. On va descendre nos petits bonhommes. Je pense qu'il faut passer celui-là avant les autres. Mais ouais, mais il va pas pouvoir monter là. Eh ouais, ça c'était sûr. Donc on a vraiment besoin des trois. Hein. S'il y en a un qui est pas là, on peut rien faire. Hop là, on monte sur notre ami. Non, lui on s'en fout. Je me suis trompé. Hop, hop. Lui on le passe ici, ici. Et hop, il est de l'autre côté. Et par contre, l'autre, il va pas y arriver à passer. Il est trop petit pour rentrer et il est trop grand. Et il est trop petit pour monter, donc il faut qu'on le monte sur son ami le grand. Non, mais non, je pourrais pas sauter avec l'autre, donc il faut plutôt que je le mette là. Que je monte dessus. Hop. Je déplace, je saute. Hop, je le mets à sa place d'ailleurs. Je prends lui, je le mets à sa place. Non, voilà. Et lui, on le met à sa place. Et voilà. Pour ce niveau. Ouh, ça aurait été compliqué. On va pas aller plus loin pour Thomas Was Alone. Donc voilà. Donc ce sera tout. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.